Normalement, cette journée, c'est le thème retenu, c'est le lien entre l'armée et la nation. De votre côté, comment pensez-vous que ce lien peut être tissé, cette communication? D'abord, nous sommes l'émanation du peuple congolais. Il y a déjà là un lien. Nous venons du peuple pour servir sous le drapeau. À l'issue de la formation, nous rentrons vers le peuple, nous rentrons dans la population. Il y a un lien des deux. La même population nous a donné mandat sous le drapeau de la protéger. Et nous venons, nous assumons cette mission avec dignité, compétence et responsabilité. C'est un lien. Et ensuite, quand nous terminons notre mission, nous lui rendons compte dans le cadre de la redevabilité. C'est ainsi que vous êtes là aujourd'hui et nous vous disons ce que nous faisons. Comment nous le faisons? La Constitution nous donne des missions. Il y a la loi 11.012 portant organisation et fonctionnement des forces armées, tiré de la Constitution de la République. Et dans cette loi-là, il est dit que les forces armées ont pour mission de protéger l'indépendance, l'intégrité territoriale, de protéger les gens et leurs biens, et de défendre l'indépendance. Ce sont des missions dédiées aux forces armées, dévolues aux forces armées, qui découlent de la loi, et nous les appliquons. Et dans l'application, il y a l'organisation et le fonctionnement de l'armée, l'état-major général. Les forces, il y en a trois, forces terrestres, forces aériennes, forces navales. Quand vous allez faire le tour, vous verrez, chaque force est une structure, chaque force est un stand. Comme nous ici, c'est la communication, service de communication d'information des forces armées, c'est ça notre stand. Et toutes les photos que vous voyez derrière moi, c'est des photos du théâtre. Le service de communication d'information est déployé sur l'ensemble du pays, dans les zones de combat et dans les provinces où, évidemment, c'est du matériel de chez nous. Hein. Ouais. Et alors, nous faisons ces photos dans les zones très difficiles, arides. Et nous voulons vous monter pendant la pluie pour vous protéger. Nous affrontons toutes ces adversités-là. Et nous faisons ces photos, nous les amenons, y compris les images que vous allez voir ici. On est en train de monter l'écran géant. Vous verrez des images que vous n'avez jamais vu nulle part. Dans ces images-là, on vous montre comment nous travaillons, qu'est-ce que nous faisons, quelles sont nos difficultés. Vous verrez des images des militaires blessés mortellement, morts. Vous allez le voir ici. Et dans quelles conditions? Vous allez le voir. C'est-à-dire, on vous présente nos succès, mais également nos écueils. On n'a rien à vous cacher, parce que c'est vous notre employeur. Mais vous, médias, vous êtes partenaire, notre partenaire fidèle, précieux partenaire. Vous allez nous aider à expliquer à notre population cette armée-là, l'unique dont dispose la RDC, c'est cette armée qui fait sa pluie et le beau temps. C'est cette armée qui connaît des victoires, mais qui connaît également des écueils.
on est humain. Voilà. Et justement, en général, puisque vous en parlez, vous parlez de service de communication de l'armée et par décès, mais des fois la population congolaise, surtout celle qui habite ici dans la capitale de Kinshasa, c'est pleine des informations erronées qui sont parvenues, par exemple pour ce qui s'est passé à l'est du pays, surtout pour les massacres, etc. Qu'est-ce que vous, comme chef qui chapeautez le service de communication de FARDC, quels sont les moyens que vous comptez mettre en place pour garantir une bonne communication qui est censée être donnée à cette population? Je suis même étonné que vous posiez une question pareille. Je ne voudrais pas vous demander votre âge, mais dans ce pays, est-ce qu'il y a quelque temps, il était possible que je me mette devant vous pour vous parler? Est-ce qu'il était possible que la grande muette, ainsi appelée dans le monde entier, puisse devenir le grand bavard? Mais aujourd'hui, on le fait. Des deux, je vous ai dit que nous sommes la structure de communication d'information de forces armées, que nous sommes déployés au sein des forces armées sur l'ensemble du territoire national. C'est déjà un mécanisme de récolte, des traitements et de dissémination de la meilleure information. Je vous ai dit, et je vais le confirmer, vous avez accès à la source officielle. Il n'y a pas de tabou. Cet homme-là, c'est le colonel Batabombi, qui est mon adjoint. Il est chargé de l'administration de la logistique. Le service de communication et d'information déploie les hommes sur le terrain. Pour quelles raisons? Exécuter 4 missions. Appui aux opérations, couverture aux activités, de l'activité militaire et sécuritaire dans les installations, à caractère militaire dans les installations de forces armées et en dehors. Éduquer, former et divertir les militaires et leurs familles. N'est-ce pas? Et aussi gérer le musée, tout ce qui est lié à l'utif de l'armée. Ces 4 missions se déclinent à travers les départements. Nous en avons 5. Presse écrite, audiovisuel, nouvelles technologies de l'information, ressources humaines et guerre psychologique. C'est des mécanismes mis en place pour pouvoir communiquer. Nous avons chez nous un mécanisme, une structure installée, vous la verrez ce soir, ou tout au moins plus tard demain, de la cybercriminalité. Vous m'insultez, il n'y a pas de problème. Nous avons votre numéro, nous avons le lieu où vous avez émis votre message, aujourd'hui même. La machine reçoit et enregistre à 17h. Nous savons qui vous êtes, où vous logez, où vous habitez. Le lendemain, nous vous cherchons, nous vous disons, c'est vous. Vous avez fait ça. Et dans le cadre des états généraux de la presse, nous nous sommes dit que nous devons jeter le vieil homme pour revêtir le nouvel homme. C'est-à-dire faire le métier que l'on a appris. En tout cas, moi, j'ai terminé en journalisme. À l'ISTI, vous n'étiez pas encore né. J'ai terminé là-bas. Et je suis retourné là-bas, j'ai fait ma thèse de doctorat là-bas maintenant. Alors, quelqu'un qui n'a pas appris et fait ses études là, qui vient dans la profession parce qu'il a échoué partout où il est allé, où il ne peut pas faire ce métier, autre métier, il croit qu'il y a du coupage, je vais aller là-bas pour salir cette profession et donc devenir mouton noir. Cet homme-là, quand il vient, croyez-vous qu'il va respecter l'éthique et la déontologie journalistique? Je suis chez moi au bureau, hein, il est là. Les gens nous écrivent. Hein. Nous sommes journalistes, nous venons chez vous, nous voulons vous donner des prix d'excellence. Il dit oui, nous avons fait quoi? Ah, parce que vous avez fait ça. Il dit mais non, non, on ne meurt pas la pas pareil. Lui et moi et les autres, quand nous faisons ce travail-là, ce n'est pas Kasonga, ce n'est pas Batakom, c'est l'armée qui a fait le travail. Et l'armée, quand elle fait ce travail, elle le fait au peuple, elle fait au nom du peuple congolais. Et l'armée est commandée par le commandant suprême. Mon général. Justement, quelle est la symbolique finalement de cette activité qui est... Je l'ai déjà dit, je vais revenir encore une fois. Je ne vais pas revenir sur la même chose 10 000 fois, chacun viendra, il doit le faire. Allez, on micro, c'est le port de la langue. J'ai bien dit ici que cette journée. Allez, oui. Et la deuxième, la troisième, la troisième.
Alors, on sait au-delà du sens de l'honneur, parce que quand on va avoir compris, il faut montrer à la nation combien vous souffrez pour justement. On ne souffre pas, on exécute. Vous sacrifiez, justement, vous sacrifiez pour l'intégrité territoriale. Quel est votre message à envoyer à la population à travers cette émission? Le message est celui-ci. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu le message qui s'écrit à l'entrée? Vous n'avez pas fait attention. La protection de la nation est un devoir sacré, patriotique, citoyen, tout Congolais, à l'obligation de mieux se comporter pour protéger la liberté et l'indépendance des députés. La sécurité dans ces pays, c'est l'affaire de tous. Et donc, nous disons, puisque ça nous concerne tous, pas seulement les militaires, en uniforme, mais aussi tous les citoyens, nous disons que c'est l'occasion aujourd'hui. Nous avons lancé un message. Nous recrutons. Nous recrutons pour étoffer nos objectifs, nous recrutons pour défendre l'intégrité territoriale, nous recrutons pour assurer et assumer notre souveraineté. Alors vous, en tant que journaliste, en tant que gestionnaire de l'opinion, dites aux jeunes filles, aux jeunes garçons, à ceux qui sont intéressés par le travail des services militaires, de venir s'emparer. Évidemment, il y a quand même de conditions, 18 ans révolus, 25 ans tout au plus pour les jeunes, mais pour les universitaires, jusqu'à 30, 33 ans, qui peuvent venir, selon leur spécialité, pour se faire enrôler. Nous enrôlons dans la médecine, en droit pour les magistrats, en communication, dans l'agriculture, parce que nous avons le département agri-élevage, dont les vétérinaires, les agronomes, mais également les logisticiens. Les gens spécialistes en transmission, nous enrôlons, nous prenons ces gens spécialistes en administration, en psychologie, en médecine, en sciences infirmières, en environnement. Nous enregistrons, nous enrôlons tous ces gens pour qu'ils viennent nous rejoindre sous le drapeau pour rajeunir l'effectif d'armée, mais surtout doter l'armée des capacités en hommes, en matériel, afin de sauvegarder notre indépendance tous les jours jusqu'à ce qu'il puisse. Voilà. Vous avez en charge la communication de l'armée. Comme vous ne parlez pas beaucoup de la guerre à l'Est, comme le fait la MONUSCO. Je me demande si réellement nous vivons la même réalité. Je ne suis pas membre de la MONUSCO. Vous poserez la question à la MONUSCO. Elle vous répondra de ce qu'elle fait et de ce qu'elle ne fait pas. Je venais de vous dire ici que nous sommes déployés sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes déployés sur l'ensemble du territoire national. Et au quotidien, il n'y a pas meilleure source d'information, de dissémination de la communication de l'armée que les CIFA. Parce que là même où votre ombre passe, il y a un élément CIFA qui communique. L'ombre de tel est passé ici. Donc nous sommes partout et nous communiquons en temps réel. À tout moment, ce que vous appelez réseaux sociaux là, nous sommes dans tout, Instagram, Facebook, et Twitter, tout ce que vous voulez. Vous allez là-bas, vous trouvez toutes les adresses sont là. Il suffit d'appuyer sur un bouton, vous êtes dedans, vous avez tout sur l'armée au quotidien. Je vous invite, dès qu'on finit ici de monter l'écran géant, revenez. Vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues et des choses que vous ne verrez nulle part ailleurs, sauf ici. Voilà. Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons rien à cacher. Nous disons tout et pour tout le monde. Dis-moi Lingala. L'un de ceux qui ont choisi de s'adresser leur groupe pour l'intégrité de la population. Comment ça vous fait de voir certains fils du pays minimiser les efforts que font les FARDC à l'est du pays et privilégier à propager les informations des forces? Lancement de journée porte ouverte sous le thème Lien armée nation. Je vous invite à passer le déplacement à l'inspection du commandant de groupe, le colonel d'aviation, du côté de l'État-major, Maléma Mbeki.
Général d'armée, c'est le Sembala Moussensa, pour le mouvement en cours, pour dire qu'on supérieur, subalterne. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous ce mardi 17 mai 2022, consacré à la journée porte ouverte de forces armées de la République démocratique du Congo, afin de vous souhaiter très cordialement la bienvenue à la base aérienne de Ndolo, cadre désigné pour cet événement. En effet, cette journée est une opportunité que le FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, offre au public avec un objectif de renforcer le patriotisme, la collaboration entre la population et son armée et booster le recrutement. Par cette occasion, la force aérienne se sent honorée de vous accueillir dans ses installations et vous souhaite une fois de plus la bienvenue. Je vous remercie. Le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et des renseignements. Messieurs le chef d'état-major des forces, corps, services. Monsieur le DG de l'AFRIDEX, distingués invités en vos titres et qualités. Au nom de la grande famille des forces armées de la République démocratique du Congo et au mien propre, je souhaite la bienvenue à cette journée porte ouverte des forces armées de la République démocratique du Congo dédiée à la population. En effet, sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le ministre de la Défense nationale a lancé cette journée afin d'affermir les liens armée-nation, car l'armée étant une émanation de la population, celle-ci doit s'approprier son outil de défense et soutenir dans ses actions en vue d'une efficacité tant escomptée. Cette journée qui nous est consacrée selon l'ordonnance présidentielle numéro 14/010 du 14 mai 2014 vous offre l'occasion, vous la population, pour comprendre que votre armée est au service de la nation que vous représentez ici à la base aérienne militaire d'Ndolo, cadre retenu pour toutes ces différentes expositions. Cette journée spéciale démontre les efforts consentis par son commandant suprême, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour la modernisation et la montée en puissance de votre armée. En ce jour, nous renouvelons notre serment au regard de notre mission qui est reprise dans la Constitution. En son article 187, dans l'alinéa 2, qui stipule « Dans les conditions fixées par la loi, elle participe en temps de paix au développement économique, social et culturel, ainsi qu'à la protection des personnes et de leurs biens. À cet effet, nous avons placé différents stands
que vous aurez l'occasion de visiter pour vous illustrer l'historique et vous trouverez les réalisations de nos forces armées. Parlant du développement dans l'armée, le commandant suprême a initié la création de l'industrie militaire et d'une coopérative pour répondre aux besoins sociaux et à l'autosuffisance de nos forces armées, une armée productive et professionnelle. Cette industrie militaire, qui est définie comme étant un holding, c'est-à-dire l'ensemble des sociétés œuvrant dans différents domaines aussi variés tels que l'agriculture, la santé, le génie civil, travaux publics, pêche, menuiserie et culture, hôtellerie, aéronautique, maritime, sport, hydrocarbures, armement, fabrication de véhicules, tracteurs et chars, cimenterie, cimetière militaire, etc., etc. Quant à la coopérative militaire, entre parenthèses mutuelle d'entraide et de crédit, c'est une structure de microcrédit au profit des membres actifs et inactifs des forces armées de la République démocratique du Congo, qui auront à contribuer durant leur carrière dans le but d'avoir une sortie garantie selon la hauteur de leur contribution et au besoin souscrire à un crédit. Tout ça avec le recrutement des jeunes universitaires dans différentes spécialités qui seront formés dans les différentes académies pour répondre aux besoins de la défense collective. Sans oublier la reconversion des militaires en fin de carrière possédant une spécialité et les démobilisés qui vont suivre chacun une formation adaptée en vue d'une prise en charge par l'État congolais jusqu'à la fin de leur jour ici-bas sur Terre. Que vive la République démocratique du Congo! Que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo! Je vous invite à suivre tous les exposés et surtout de poser toutes les questions afin d'apaiser votre curiosité. Au nom du ministre de la Défense empêché, je lance la journée porte ouverte de ce jour. Je vous remercie. Pour le lancement des activités de la journée ouverte. Pour la visite au stand. Il fallait prendre des images.
c'est cette loi.